Chinos. Vous proposez à nos élèves des sports auxquels ils ne pensent pas, et des sports complètement inconnus pour eux. Là-bas, c'est Aiki, et justement Do à la fin. Et Ai, c'est la notion de harmonisation, de mettre ensemble les choses, de rassembler. Quelque chose qui sort du corps. Aïkido. Au niveau d'Aïkido, on sait très bien, avec M. Kivjer, les apports que ça peut avoir au niveau concentration, confiance en soi, mais aussi climat scolaire. Je conseillerais aux autres de faire l'Aïkido pour découvrir le sport. J'ai découvert aussi un peu la méditation, faire des prises, travailler avec des armes. Nous avons été sollicités par l'inspection académique pour cette expérimentation avec quatre autres collèges du Finistère pour le dispositif 2 heures de sport en plus. Et j'ai naturellement pensé à l'aïkido avec M. Kivjer, puisqu'il est déjà intervenu sur le collège. Nous avons donc ciblé un certain nombre de jeunes s'éloigner du sport. Dans un premier temps, déjà, il y a l'accueil de chacun. Tout le monde est différent. Et malgré ces différences, on essaie de faire une unité. On travaille aussi sur la motricité, la coordination des mouvements. Travailler vraiment ensemble, favoriser le vivre ensemble et qu'ils se rendent compte de leur propre réussite afin de pouvoir ensuite s'orienter vers cette discipline-là ou une autre dans les diverses associations sportives et ou culturelles. C'est sur du temps périscolaire, ça n'a pas concurrencé les autres activités bien entendu qui sont prévues au collège puisque nous sommes un collège en REP avec beaucoup d'activités artistiques, culturelles et sportives. Et ça m'aide pour la concentration, pour gérer toutes les émotions aussi, la confiance en soi. Ça permet de détendre, d'oublier, de couper le monde aussi. Il y a les cours et l'aïkido. Et c'est aussi franchir un cap que d'aller pratiquer un sport en plus de son emploi du temps, de rester au collège quand ses copains quittent le collège parce qu'ils ont fini les cours, de rester volontairement pour aller découvrir une activité. Ça leur apporte beaucoup. Déjà, rien que ce choix est déjà fondamental pour eux. Arigato gozaimashita. Merci beaucoup, énormément, et félicitations surtout.